24 heures. C'est le temps qui sépare les IMOCA 60 du prologue de la première édition de la New York to Barcelona Race. Un parcours de 155 milles au départ de Newport, cap sur New York. Alors le parcours du prologue, c'est un départ demain, après-midi vers 15h local, donc à disposition du comité, avec un tout petit parcours en baie de Newport, avec deux bouées à négocier avant de rejoindre le chenal. Et ensuite, un parcours direct sur New York en laissant Long Island sur tribord, un passage sous le pont de Verrazzano et arriver devant la marina de Cove Haven Marina, donc tout de suite au pied de Manhattan. Manhattan, le clou du spectacle, une arrivée toujours exceptionnelle dans la ville de New York. L'arrivée à New York, je pense que ça reste toujours mythique. Hein. Moi, j'ai jamais pu faire d'arrivée sur New York. J'ai souvent vu arriver les bateaux là-bas et c'est magique. C'est quand même entre les buildings, la Statue de la Liberté. C'est assez beau et c'est toujours des grands moments. Le prologue est toujours pour les skippers une occasion de se mesurer une dernière fois sans pression avant la compétition. L'occasion aussi de faire les derniers réglages. Aparte de la regata de prologue, creo que le vamos a enfrentar de la siguiente manera. Primero, probar el velero, ver cómo está la velocidad con respecto a los demás contrincantes. Tenemos dos rivales que son bastante fuertes, un francés que supone que es bastante fuerte en esto. Entonces queremos ver realmente cómo tenemos el asunto de la velocidad. Con esto creemos que va a ser un poco un plus para ver qué podemos llegar a modificar antes del plato de fondo que es Nueva York-Barcelona. La météo sur le parcours s'annonce compliquée. Du vent au départ, puis de la molle dans le courant de la nuit. Ce prologue s'annonce tactique et technique. Bueno, pues hemos estado viendo los pares meteorológicos y parece que habrá bastante poco viento, entonces será un poco complicado a nivel de buscar la presión del campo de regatas. Creemos que será un poco exigente a nivel de cambio de velas porque bueno, al cambiar bastante la presión pues puede ser que sea exigente en ese sentido. Y tenemos que tener muy en cuenta el tema de corrientes porque es una zona bueno, conflicta en ese sentido y bueno, habrá que estar muy atentos. Le prologue, c'est aussi l'occasion de dévoiler un peu plus le milieu dans lequel les marins évoluent. Sur chaque bateau, une équipe technique, un invité et un médiaman. Donc là, on est assez nombreux à bord, on est 7. Et donc dans ces 7 personnes, il va y avoir donc 5 personnes de l'équipe technique, notre fameuse Chacha, et puis mon grand frère qui va venir là, qui arrive ce soir là, du Canada, donc qui habite et qui travaille à Montréal. Donc voilà, c'est à 5-6 heures de route, donc il va profiter de l'événement pour venir nous voir. Et comme il est marin aussi, il est voileux, il adore ça, donc je lui ai proposé d'embarquer avec nous, et je pense que ce sera pour son plus grand bonheur. Ouais. Trois bateaux seront donc sur le prologue demain. Safran, Gaës et Neutrogena. Hugo Boss restera seul encore quelques jours à Newport, le temps d'assembler les dernières pièces pour retrouver son mât. Well, we're as you say, we're not doing the prologue tomorrow because the mast is still not in the boat. We had the shrouds, the replacement shrouds, which are delayed in Abu Dhabi. They missed one of their flights. And so we're going to be delayed one more day. We're probably going to step the rig tomorrow evening or the next morning, and then we'll do a day of sailing and we'll just sail to New York by ourselves, which is a shame. It would have been nice to be part of the fleet. En quittant Newport, c'est aussi la Transat qui se rapproche encore davantage. Les duos prendront le départ de New York le 1er juin pour une route directe vers Barcelone.